Nantes Métropole vous présente une initiative du pôle ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Audencia Nantes. Bonjour, je m'appelle Geoffroy Verdier et je dirige l'association Aide à domicile pour tous Loire-Atlantique Vendée. Lorsque j'ai pris la direction de l'association, elle était en redressement judiciaire. Donc le challenge était de tout trouver. Ce redressement, c'était un traumatisme pour les salariés, pour nos usagers, pour un certain nombre de nos partenaires. La RSE, finalement, était un outil pour collectivement trouver à rebondir autour de notre projet associatif en essayant de donner du sens à ce qu'on faisait et à trouver ensemble les moyens d'améliorer nos fonctionnements. L'idée, elle est assez simple, ça a été de s'appuyer sur les acteurs qui font l'association, au premier chef les salariés, en leur demandant leur avis, en consultant un maximum de personnes pour aboutir à un diagnostic partagé et mettre en œuvre un plan d'action collectif. Le premier résultat, c'est la sortie du redressement judiciaire, une association dynamique qui développe son activité, mais c'est aussi pour un certain nombre de salariés qui étaient présents ou qui sont arrivés depuis, des compétences à l'appui de formation pour prendre de nouvelles responsabilités dans une nouvelle organisation et aujourd'hui donc dans une association réinventée, tournée vers l'avenir. Nantes Métropole vous a présenté une initiative du pôle ressources RSE co-animée par la chaire RSE d'Audencia Nantes.